Écoutez, alors, bon, je me réjouis parce que la France était menacée de tomber sous le joug de l'extrême droite. Je ne pense pas que c'était bon pour la France. Ce n'était pas bon pour la France, ce n'était pas bon pour l'Europe, ce n'était pas bon pour la coopération franco-africaine. C'était un soulagement pour moi de voir Emmanuel Macron l'emporter. J'ai adressé des félicitations et souhaité souhaiter bonne chance. Oui, mais on va parler un peu de la CENI.